Hey, salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va essayer de regarder la méta de Destiny 2 en PvP. Donc qu'est-ce que c'est qu'une méta? C'est tout simplement les armes les plus utilisées, les plus performantes, celles qui semblent le plus faciles pour un rendement le plus efficace possible. Bref, un petit peu les armes qui sortent du lot dans cette saison. Pour ça, on va essayer de voir différentes choses, celles les plus utilisées, celles les plus qui ont fait le plus de kills, à la fois sur console et sur PC. On va essayer de regarder dans ces catégories-là quelles sont les armes qui dominent et ainsi de suite. Bref, on va essayer de voir pas mal de choses et d'en tirer un petit peu des enseignements pour essayer d'avoir un peu des stats en plus de notre ressenti global. Donc déjà, commençons par les armes principales sur console. Donc je me suis mis sur PlayStation et en survie. En survie, ça aide un petit peu à dégager les gens qui veulent juste tester des armes ou qui font juste leur jalon et ainsi de suite. En survie, on a souvent des gens qui veulent monter leur gloire ou essayer de gagner un maximum de parties, ainsi de suite. Alors qu'en partie rapide, bon, c'est beaucoup moins grave si on perd notre partie. Donc je me suis dit que ça permettait un petit peu mieux d'analyser les choses. Donc déjà, comment est-ce qu'on était avant la sortie du DLC? On avait les fusils automatiques autour de 27%, on avait ensuite les revolvers autour de 17-18%, et derrière, bah, on avait beaucoup de choses qui étaient à la traîne, comme les impulsions autour des 3%, et on avait derrière des fusils d'éclaireur vraiment peu utilisés aussi. Ce qu'on se rend compte, c'est que les fusils automatiques ont fait une chute exceptionnelle. Ils sont passés des 26% à moins de 12% d'utilisation. Et ce constat, on peut le faire aussi hein, sur PC, où ils étaient autour des 18, 19, 20% et où ils ont chuté à moins de 9%. Donc voilà, clairement, les fusils automatiques, les nerfs des 600 coups par minute leur ont mis très cher et ils ont été beaucoup moins utilisés. Les revolvers, quant à eux, ben, ont suivi un peu le chemin inverse, ils étaient autour des 17-18% et sont montés au-dessus des 27%. En tout cas, sur console, on voit vraiment ce changement-là. Alors que sur PC, bon, ils étaient toujours très utilisés et ça continue à être le cas, ils étaient autour des 27-28% et maintenant ils sont autour des 29-30, donc une petite augmentation, mais pas grand-chose. Donc c'est vraiment ces deux armes-là qui dominent en ce moment, sauf qu'il y a eu un troisième qui est venu un petit peu jouer les troubles faits, c'est les fusils à impulsion. Les fusils à impulsion, ils étaient quasiment pas utilisés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, autour des 3-4%, un tout petit peu plus sur PC où ils étaient autour des 5-6%. Sauf que maintenant, bah, ils ont bondi, vraiment, ils ont bondi. Alors, on voit clairement une hausse au tout début de la sortie de Beyond Light. Je pense que beaucoup de gens ont voulu essayer le trop long à expliquer, mais on reste quand même autour des 10% sur console et des 15% sur PC. Donc, clairement, on peut se dire que les deux armes qui dominent la méta, c'est les revolvers et les impulsions. Alors maintenant, rentrons un petit peu dans le détail, les revolvers, qu'est-ce qui est utilisé? Alors quand on va sur le site Destiny Tracker et qu'on regarde encore une fois le pourcentage de kills fait par type d'arme et notamment les revolvers en survie, eh ben, on se rend compte que l'as de pique est vraiment l'arme la plus utilisée et derrière on va avoir un petit trio autour des 3-4% avec la promesse sombre, le chardon et le Crimson hein, qui sont juste derrière et on a encore en dessous la dernière parole et la véritable prophétie avec le Storm. Donc voilà, on se rend compte vraiment qu'on a ces revolvers qui dominent, c'est principalement des 140, hein, l'As de pique, la promesse sombre, le chardon, le crimson, voilà, on est sur ce genre d'armes qui vont tuer en 3 rafales, et bah, ça fait plaisir, moi je trouve qu'ils sont à leur place, ils n'ont pas non plus été trop buff, on se rend compte que sur PC ça n'a pas non plus changé la donne du tout au tout, mais voilà un petit peu la méta et notamment le passage des 150 en 140, bah, ça continue à avoir de la promesse sombre quand même bien bien sur le devant de la scène, donc on peut pas dire qu'on les a totalement défoncés, même le chardon qui était un ancien 150 reste sur le devant de la scène, mais vraiment l'arrivée, c'est l'arrivée de l'as de pique qui lui prend vraiment son envol et vient concurrencer tout ça. Alors les impulsions maintenant qui sont un peu en deuxième, quelles sont les impulsions qui tirent leur épingle du jeu?
Bah clairement, c'est le trop long à expliquer, le trop long à expliquer totalement devant. Alors est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est parce que c'est l'exotique qu'on récupère à la fin de l'histoire? Est-ce que c'est ce genre de choses? On se rend compte que derrière, l'aile de vigilance est quand même pas mal loin derrière. On est à moins de 2%, hein, alors qu'on a le trop long à expliquer à plus de 7%. Et derrière, bah, les petites impulsions de la saison qui sont là, qui pointent leur bout du nez, et ça fait plutôt plaisir. J'ai hâte de tester notamment le Star Sin Shadow. Franchement, je vais m'y atteler dans pas longtemps, je pense, parce qu'elle a l'air d'être plutôt sympa. Donc voilà pour la méta des armes principales. Clairement, si on fait un petit peu le cumul de tout ça, le trop long à expliquer et l'as de pique vont être vraiment dans le top du haut du classement. Et derrière, on a un petit groupe avec la promesse sombre, le chardon, la dernière parole, le crimson, ce genre d'armes. Maintenant passons aux armes secondaires, aux armes qui vont essayer de one-shotter ou ce genre de choses, où on avait à l'époque des fusils de sniper et des fusils à pompe qui étaient à peu près au même niveau. Sur console, on était sur du 13% sur les snipes, du 12-13% sur les fusils à pompe, ça dépendait des jours. Et pareil sur PC, là on avait quasiment un chassé-croisé autour des 14%. C'était plutôt intéressant, c'était plutôt serré. Et derrière, bon, on avait les fusions qui survivaient sur console avec les pistolets, alors que sur PC, c'était beaucoup plus compliqué, hein. On voyait pas, à part les fusions, toutes les autres armes étaient clairement en dessous. Maintenant, qu'est-ce que c'est devenu? Eh ben, c'est la catastrophe. On a juste nerfé les snipers sans toucher au fusil à pompe. Alors ça a fait plutôt une bonne chose, moi je trouve qu'on retrouve, on n'a pas totalement défoncé les snipers hein, qui se retrouvent autour des 9-10%. Moi je trouve qu'on en voit largement assez, mais c'est pas non plus trop et ça devient pas oppressant, donc je suis plutôt content du nerf qu'ils ont subi. On se rapproche finalement du niveau des autres armes secondaires qui, je trouve, devrait être la moyenne. Par contre, ce que ça a donné, c'est pas que les gens ont arrêté d'utiliser les secondaires. Non, c'est que tous ceux qui sont partis et qui ont arrêté d'utiliser un sniper, ils sont partis chez les fusils à pompe. Et les fusils à pompe passent à 20%. C'est énorme. C'est vraiment l'arme qui domine le plus sur console et sur PC, juste derrière les revolvers. Donc on a une arme secondaire qui est pratiquement autant utilisée qu'une arme principale. Moi je trouve ça un peu dommage, je trouve que la mécanique de rendre un peu plus skillé les snipes, ils auraient dû aussi essayer de trouver une parade pour rendre un peu plus skillé les pompes. On espère que ça sera dans une prochaine mise à jour. Et si on regarde le détail donc entre les fusils à pompe et les snipers, donc les fusils à pompe les plus utilisés en survie PVP sur toute plateforme confondue, le mensonge de Fellwinter est carrément en train de tout exploser. On est à plus de 9,42% de kills. Si on fait le cumul, on est vraiment sur des totaux assez hallucinants, parce que derrière on va avoir l'ambition du télépathe, on va avoir le dualité, on va avoir le xénoclaste qui tire aussi son épingle du jeu, donc ça fait vraiment énormément d'armes à plus de 1%, et avec ce mensonge de Fellwinter qui domine plus que toutes les autres armes. Voilà, si on regarde vraiment au global, c'est l'arme qui va faire le plus de kills d'après Destiny Tracker ces derniers temps dans la méta. Vraiment au-dessus d'un trop long espié qui est à 7.40, au-dessus d'un as de pique qui est à 7.30, on va vraiment avoir une arme secondaire qui va dominer le nombre de kills en PVP, en tout cas en survie, ces derniers temps. Et sur les snipers, on a l'adoration hein, qui vient de sortir, qui est à un peu plus de 5%, avec 10% de headshot, donc c'est totalement valable. Et derrière, on a nos anciens snipers, hein, Revoker et Beloved, le bien-aimé, qui suivent derrière, mais qui ont du mal un petit peu à suivre avec
évidemment le sunset qui leur est tombé dessus. Mais voilà, voilà l'adoration qui est là. Moi, je trouve, encore une fois, je trouve ça plutôt bien, le nerf des snipers. C'est vraiment dommage que cette, entre guillemets, le fait de rendre un peu skillé les snipers n'ait été placé que sur eux. Je pense pas qu'il fallait le faire sur les fusions, mais par contre, les pompes, je pense, le méritent totalement. Puis on le voit à l'heure actuelle, hein, qui surdomine le PVP. Donc j'ai trouvé aussi Destiny KD qui résume un petit peu tout ça, où on se rend compte ben, clairement que le mensonge de Fellwinter dans la méta est clairement au-dessus. Et derrière, on a le trollon à expliquer, l'as de pique. Donc ça, c'est vraiment un petit tableau qui va regrouper tout. À la fois les différentes plateformes, à la fois les différents modes de jeu. Donc ça permet juste de se rendre compte, pas forcément de la méta, mais de l'utilisation des armes. Et clairement, on se rend compte que les fusils auto en 600 ne sont pas totalement morts, ils sont encore un petit peu présents, mais ils vont prendre de plus en plus cher. Je pense que de plus en plus, les gens vont se rendre compte qu'ils peuvent aller vers d'autres armes. Donc voilà, pour résumer, moi, si j'avais à donner, entre guillemets, le haut du tableau de la méta en ce moment, ou en tout cas de la méta générale sur Destiny 2, ça va être trop long à expliquer. Mensonge de Fellwinter, As de pique, mensonge de Fellwinter, promesson, mensonge de Fellwinter. C'est vraiment ce qui revient le plus, et si vraiment les gens sont allergiques aux fusils à pompe, ça va être les mêmes principales combinées avec une adoration ou avec un dualité. Voilà un petit peu pour la méta, ce qu'on pouvait en dire, ce qu'on pouvait constater en tout cas des stats qui ressortent en ce moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quel build vous utilisez en termes d'armes, si l'état actuel des choses vous paraît plutôt cool ou pas cool. Moi, je trouve qu'on est vraiment très bien sur les armes principales. Voilà, on a un petit peu de revolver, un petit peu de fusil à impulsion. On a encore le reste des fusils automatiques qui sont un peu en dessous, mais qui continuent à pouvoir exister. Et les éclaireurs qui sont loin derrière. Mais franchement, avec la méta éclaireur de la sortie de Destiny 2, ça me dérange absolument pas qu'ils ne soient pas présents. Voilà. Et par contre, sur les secondaires... à part le fait que les fusils à pompe dominent, moi je trouve ça vraiment bien en termes de snipers qui sont présents mais pas trop, les fusils à fusion qui font le taf mais qui sont pas non plus ultra dominants, les pistolets qui peuvent être utilisés et servir, donc voilà, à part cette ultra domination des fusils à pompe, moi je vois pas de trop gros dégâts dans cette méta. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Anyone want a hug? Hugs? No? No hugs. Destiny 2, available September 6th.